excited. Historiens, j'espère que vous avez... Ça va. Ashraf, il a commencé il n'y a pas très longtemps, donc il a l'arcade un petit peu ouvert, donc voilà, il faut y aller doucement. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Avec Ashraf, aujourd'hui, mon élève combattant pro de Boxlight, on va vous montrer 4 astuces pour piéger votre adversaire. Et donc, si c'est piégé, c'est pour faire mal, très très mal. Alors, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Ish Warrior, si tu trouves que le corps à corps en boxe thaï c'est trop technique, trop difficile, trop fatigant et que tu aimerais profiter de cet été pour t'améliorer, eh bien découvre vite mon programme que j'ai élaboré avec 6 grands champions du monde de boxe thaï en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. Et bien maintenant, à vous de jouer! Ish! Mais juste avant, si tu veux progresser, eh bien j'ai une formation qui est gratuite en bas dans la description. Et sinon, si tu veux aller plus loin, j'ai des grosses formations qui vont te permettre vraiment d'aller plus vite. C'est vraiment des programmes complets. Une avec un sac de frappe où je t'apprends en 8 étapes comment progresser tranquillement, pas à pas. Une autre avec un partenaire, boxer comme un champion. Il y en a une autre où j'ai tourné avec 5 grands champions de boxe thaï. Youssef Bouguenem, champion du monde. Connu, Victor Pinto, Wilfried Montagne, 2 autres champions thaï et moi-même, et on montre plein, mais alors plein de techniques en corps à corps. Voilà, et ben tout ça c'est dans la description ou sur mon site internet SBRI Fight TV. Alors sinon, sans plus attendre, maintenant avec Ashraf, qu'est-ce qu'on va montrer? On va vous montrer comment piéger. À un moment donné, c'est bien d'apprendre à mettre des uppercuts, à mettre des low kicks, à mettre des coups de genou ou des coups de coude. Ok, c'est super important, mais en soi, c'est pas ce qui fera la différence. À un moment donné, quand on va arriver à un certain niveau, ce qui va faire la différence, c'est les stratégies. Et Ashraf, on a fait un cours hier sur ça, justement, on parlait de stratégie. Les stratégies, eh bien, peuvent renverser un combat. Et quelqu'un qui n'est pas très technique, pas très physique, pas très puissant, peut gagner quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Et c'est ce qu'on va vous proposer maintenant. Alors, première piège qu'on va vous mettre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un choix en combat, je boxe sur place, le mec qui avance sur moi, plein force. À un moment donné, je vais reculer, je recule, et puis d'un coup, j'avance au lit. Boum, et je vais le contrer. Pourquoi c'est un piège? Parce que le gars, en fait, quand il avance, eh bien, il ne va pas s'attendre à ce que je vienne sur lui. Il est en position forte et puis il est en mode attaque et non défense. Donc pour lui, ça va être difficile de reculer, d'esquiver, parce qu'il marche sur moi, il se déplace sur moi. Donc là, vas-y, au ralenti, il marche, puis d'un coup, boum, je viens sur lui. Et donc ça, ça va le surprendre. Et je vais forcément, j'ai de grandes chances de le toucher. Après, à vous de varier. Alors moi, quand je fais ce piège, stratégie que je fais souvent en combat, je rentre avec mon bras droit, donc je suis là, on boxe, je recule, et d'un coup je bloque sur ma jambe et boum, je pousse. Ce qui est important de comprendre, regardez bien, c'est que je recule, hop, je stoppe. Et je vais pousser sur ma jambe en pivotant et vraiment en faisant un bond. Ce qui fait que mes deux jambes, elles arrivent au même moment et le même écart. Beaucoup de gens vont faire ça, et puis vont jeter ça là. Il n'y a plus d'écart, donc là je suis trop écarté, donc mes appuis ne sont pas bons et surtout je vais être en force excentrique, c'est-à-dire que je vais devoir me freiner avant de pouvoir déployer ma corde, mes coups. D'accord? Donc je perds du temps et j'aurai une forte chance de me faire contrer. Tandis que là je suis là et boum, au moment où mon coup il arrive, je suis synchro et ça c'est très très important. Donc c'est pas évident, donc ça se travaille la synchronisation, donc dans votre chambre, dans votre salle, dans votre jardin, peu importe, travaillez ça, hop, je bloque. Et je pousse, boum, regardez bien, quand mes jambes arrivent, le coup il arrive, viens Ashraf, donc on est là, alors il faut quand je le fasse, il faut qu'il y ait une certaine distance, d'accord, donc il faut vraiment que je recule là, je recule et boum, et d'un coup je pars. Et vous avez vu ce qui est important quand je pars sur place, c'est qu'au moment où mon bras il touche, boum, mes jambes aussi, si je fais ça, hop, et après là, j'ai des chances de me faire contrer, donc, pour vraiment minimiser mes chances de me faire toucher, me faire contrer, eh ben, je recule, et boum, boum, boum. Après, à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi très bien attaquer une gauche, mais si vous êtes droitier, c'est la droite qui va faire mal. Ok, donc moi, j'aime bien faire droite, uppercut, low kick, mais je peux très bien faire droite ici, crochet au foie, roll low kick, ça peut être droite, boum, high kick de la jambe avant. Voilà, après, l'enchaînement, il n'est pas trop... La suite, ce sera un peu moins important. Ce qui est important, c'est venir avec votre bras le plus fort à droite, synchronisé, avec plein de puissance. Et des fois, ça peut suffire pour ou le sonner, voire le mettre KO.
Allez, deuxième technique, là c'est Ashraf qui va vous montrer un petit piège en box-like qui est très intéressant et qu'en Thaïlande on utilise beaucoup. Vas-y Ashraf. On est à corps à corps. Donc là je mets des genoux. Bon. L'adversaire il porte plusieurs genoux, d'accord. Nous on essaie de les bloquer avec l'ange, d'accord. À bout d'un moment, quand on veut, on prend le genou, d'accord. La main on la porte derrière la tête. On fait juste, on esquive avec le bassin et on fait rotation, d'accord. Bon. Oh, comment j'aime pas aller au sol. J'aime bien emmener au sol, mais pas quand tu vas au sol. Donc vas-y, Ashraf. Remonte, vas-y, on est là. Donc là, très souvent, en plus, quand on est encore à corps, et que lui, il me piège comment? Parce qu'il met pas de coup de genou. Donc ça, en vrai, je devrais me méfier. C'est que je crois que j'ai l'ascendant, je crois que je suis plus fort. Et boum, malgré tout, je les bloque. Un, deux, Donc, elle paraît peut-être un peu compliquée, il faut un bon timing. Ashraf, tu l'avais souvent, celle en plus. Oui. Donc Ashraf l'a fait souvent, en Thaïlande on l'a fait. Donc voilà, le mieux c'est de la tester, de la peaufiner et de vous entraîner. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez surprendre votre adversaire si vous faites de la boxe thaï ou du MMA éventuellement. Ok, donc là qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de créer des ouvertures. En variant corps-visage. Premier truc qui n'a rien à voir avec le piège, mais si vraiment vous voulez être efficace et commencer à bien toucher les points au visage, et ben vous aurez justement intérêt à pas tout mettre au visage. Donc regarde, donc si je fais que ça, il va s'y attendre, et les chances qu'il me riposte, qu'il me contre, boum, par un coude, par un crochet, percute, vont être énormes. Donc si je veux vraiment être efficace, et ben il faut que je varie corps, voilà. Et là, il va se sentir vulnérable. Et à un moment donné, je vais créer, ouvrir des fenêtres, voire des portes. Et c'est ce que je veux, moi, pour mon kick. Je fais un peu baisser les mains, un peu de la kick par moment, pour vraiment attirer son attention vers le bas. Puis dès que je le sens, boum, j'envoie mon high kick. Voilà le piège numéro 3. Et ce que je veux revenir aussi, c'est que si vous êtes efficace en boxe, et bien apprenez à varier vos... à varier... corps, visage. En général, moi j'aime bien dire 70% au visage, 30% au corps. Et imaginez-vous que si un intrus voulait rentrer chez vous. Donc si le mec, vous devez défendre juste la porte, ok? Eh bien, ça va, ça sera facile à défendre. Mais si maintenant il y a les portes à défendre, après les fenêtres, vous allez un petit peu perdre le fil et donc ça sera plus dur à défendre. Bah là c'est pareil, si je me focalise que sur le visage, facile à défendre, mais si je commence à frapper les fenêtres ici, bah du coup ça sera plus facile pour moi à le toucher, le perturber. Et comme je le dis, là le piège c'était d'aller chercher mettre le high kick. Je vous annonce tout de suite, si ça passe, là c'est pas que vous allez sur les gars, c'est un KO, voire vous risquez même de le blesser. Après, quand on fait des sports de combat comme la boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, MMA, boxe française, bref, tous les sports de combat, le risque de blessure il est énorme. Et malgré tout, c'est pas bien ce que je vais dire, peut-être pour certains, mais c'est un peu ce qu'on cherche à gagner par KO, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Donc, si on a l'occasion, on va l'utiliser. Et celle-là, ce qu'on vous montre là, attention parce qu'elle va faire mal. Vas-y, Ashraf. On part des genoux, d'accord? On est encore à corps, on travaille, on passe les mains, d'accord? À bout d'un moment, on porte un genou, n'importe lequel, d'accord? Pour à la fin rentrer avec le coude. Explication. Donc là on est au corps à corps. La particularité pour faire cette technique, il faudra juste vous assurer que vous avez un bras qui soit à l'extérieur, donc à gauche ou à droite, peu importe, pour venir bloquer, sinon la technique ne marchera pas. Deuxième technique, enfin deuxième astuce, il faut que votre main, quand vous la mettez, c'est le plus haut possible. Beaucoup de débutants, ils la mettent là, vas-y bouge la tête, voilà, il va sortir, il ne sort pas grand chose. Donc quand on est là, on doit prendre la main le plus haut possible. Là voilà, j'ai un levier, ok? Donc on est là, maintenant on est au corps à corps, on fait de la boxe tag, donc forcément je vais prendre des genoux et ça je dois l'accepter. C'est comme si on dirait quelqu'un qui veut faire
faire un sparring, un combat de boxe, mais qui veut prendre deux coups. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, du moment qu'on est encore d'accord, je vais prendre des genoux. Il faut que je l'accepte. Vas-y. Donc, genoux, boum, mes genoux, boum. Et là, à un moment donné, je fais ça. Donc, quand je mets un genou, on va se mettre. Je recule ma jambe comme si je voulais me mettre un genou, sauf qu'en fait, je le tire. Et au moment où je tire, je reviens, je viens mettre mon coup de coude. Donc, c'est entre le piège et la feinte. On va remontrer. Donc, on est là, on est encore. Voilà, hop. Hop. Ok, après il faudra pas trop non plus attendre, sinon lui il risque de passer ses mains, de pousser, de reculer ou passer sur une autre position, ce qui fait qu'après j'aurai plus la main là. Donc je dois pas trop non plus attendre. Voilà, je lui en mets un, je lui en mets deux, et après je fais ça, hop, je viens tirer. Vous avez vu, allez, saisis-moi. Voilà, je suis là, hop, je mets un coup de genou, boum, là, et là maintenant, allez, je fais ça. Je viens le tirer. Donc là, il est bien proche et maintenant, j'ai plus qu'à passer mon coup de coude. Et un coup de coude qui passe, c'est ou une blessure, donc arrêt de l'arbitre, ou je le sonne, ou je le mets KO. En tout cas, c'est une technique très efficace qui peut surprendre. Et il l'a fait souvent. Alors, juste avant de vous laisser, si vous voulez peaufiner et améliorer votre boxe, rappelez-vous, vous avez des formations que je propose, que ce soit en K1 kickboxing, corps à corps box live avec 5 champions, ou alors pour apprendre à boxer mais avec un sac de frappe si vous n'avez pas de salle à côté de chez vous, ou tout simplement vous voulez progresser plus vite, vous avez une formation qui est très complète en 8 étapes pour vous apprendre vraiment plus que les bases de la boxe. Moi, je remercie Ashraf. Merci Ashraf, toujours un plaisir d'être avec lui. On lui souhaite plein de réussite et qu'il explose sa carrière de Nakmoué. Sur ce, on vous dit à vous de jouer!